tous. Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Gran Turismo 7, toujours avec le TGT 2 et le levier de vitesse de Thrustmaster, le TH8, parce que pour ce contre-la-montre en Australie, sur ce Moon Panorama, j'ai pris la Lamborghini Diablo GT de 2000. Elle fait 580 chevaux, 48 soupapes. Elle trace le 0 à 100 en 3 secondes 9. Et ça consomme le machin à peu près du 28 litres au 100. Et elle a été produite qu'à seulement 90 exemplaires. Allez, on teste ça en début de soirée sur ce Moon Panorama en Australie. Donc je vous fais au TH8. Allez, c'est parti. J'adore cette bagnole. Au niveau de la conduite, elle est excellente. Je vous la conseille. Allez, on va arriver les 2,40. On passe la cinquième. Presque 2,80. Ça déboîte, hein. Elle est excellente cette voiture. Allez, 2 minutes 20. On va regarder la rediffusion. Donc c'est pas trop mal. Enfin, je pense que c'est pas trop mal par rapport à la Bugatti ou des voitures qui sont bien plus puissantes et plus récentes. Hein. Donc c'est pas trop mal, hein, pour la pour cette Diablo qui est vraiment, je vous la conseille, qui est vraiment excellente à conduire. Vous prenez un pied avec ça. D'origine, hein, bien sûr, allez. Regardez la tronche que ça a, ce machin. L'intérieur, il fait bien les années 90. J'adore. Alors là, on sent qu'à l'époque il y avait l'ABS, hein, par contre, au niveau du freinage, vous voyez, ça freine quand même bien mieux que la Countach de 88. Après, c'est bien italienne, hein, sa gueule, on a l'impression qu'on va très vite, mais alors elle fait un bon chrono, hein, mais. C'est vrai que dès que ça monte un peu dans les tours, on a l'impression vite que ça
que ça marche comme une malade. Le soir à la fraîche, on en a bien besoin en ce moment. Et voilà pour cette vidéo. Donc attendez, on va regarder le classement. Donc elle est où cette Lamborghini Diablo? Ah bon, bah la cinquième. De 20, vous voyez, hein, juste en dessous la Porsche 911 GT3 RS. À mon niveau, hein, bien sûr, avec mes temps à moi. Donc c'est exceptionnel, hein, parce que la Porsche, hein, elle est, je crois, elle est de 2016. Non, non, excellente. Cette Lamborghini Diablo GT, je vous la conseille. Voilà, je vous laisse là-dessus pour cette vidéo, puis j'espère à bientôt. Merci à vous.